Bonjour YouTube. Bon, on est en train de discuter dans le chat de pourquoi les studios décident d'avoir des dates de sortie et Horizon par exemple, la suite là, Horizon ils ont décalé la sortie, mais il va être c'est gros comme une maison qui va être crado à la sortie. Hein. Il va y avoir des bugs. Hein. Mais vous avez vu, alors par contre j'ai vu ça. Donc au début Sony avait dit. Si vous achetez Horizon, c'est quoi Forbidden West. Si vous l'achetez sur PS4, si après vous achetez une PS5, on vous le file gratos. Donc, précommande. Enfin, je crois qu'il y a eu les précommandes, ouais. Il me semble qu'il y a les précommandes. Ah, faut grave, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ouais, bah, les moins de 30 ans même. Et donc, ils avaient dit, voilà, si vous l'achetez sur PS5, Forbidden West, d'ailleurs, sur PS4, vous l'aurez sur PS5. Et après, ils ont dit, ah bon, non, hein? On a dit ça? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'on a dit ça? Vous voulez pas racheter le jeu deux fois? Vous l'achetez une fois sur PS4, et puis après, quand vous achetez une PS5, vous rachetez le jeu. Ah bah là, vous êtes sûr? Et finalement, ils sont revenus sur leur décision, là, parce que bah, tout le monde a gueulé, quoi. Mais en fait, vous voyez qu'en fait, les joueurs ont du poids, en fait. Les joueurs ont du poids sur ça. Sur les investisseurs, parce que derrière, c'est... bah en fait, ouais. Vous voulez nous niquer. Vous voulez nous niquer avec votre truc PS4 et après, il faudra racheter sur PS5. Bah, on n'achètera pas le jeu, quoi. Et finalement, Sony a dit, ah non, bah, allez, on vous fait une fleur. Allez, allez, on est sympa. Si vous l'achetez sur PS4, on vous l'offre sur PS5 quand vous avez la PS5. Par contre, pour les autres jeux... ils ont dit, par contre, pour les autres jeux, faudra payer 10 balles. Voilà, donc par exemple, le prochain God of War, il y aura une version PS4, une version PS5. Si vous achetez la version PS4, faudra payer 10 balles pour avoir l'upgrade PS5. Et que en numérique. Si vous achetez la version physique, vous l'avez dans le cul. Voilà. Salut, hein. Bisous. Hein. C'est dur de changer une date de sortie d'un projet. La date est choisie pour que le jeu film soit pas trop écrasé par un autre. Hein. Et puis être rentable. Une boîte peut fermer ses employés dans la merde si le lancement est raté. Ouais, mais... Si tout le monde jouait la carte du... ça sort quand c'est prêt. Finalement, en fait, tu te dirais pas, ah bah attendez, on va pas sortir notre jeu maintenant, parce qu'à côté, il y a un autre jeu, enfin, puis il y a tellement de contre-exemples. Doom Eternal qui sort le même jour que... alors, c'est peut-être pas les mêmes... Il y a eu plein de mèmes suite à ça. C'est peut-être pas les mêmes gens qui jouaient, quoi, mais qui sort le même jour que Animal Crossing, quoi. C'était deux super grosses sorties. Ils sont sortis le même jour, et les deux ont cartonné. Cette souffrance des jeux à licence... Vous en souviendrez pour toujours. J'ai pas la ref. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Mais on en revient même. Le fait d'avoir des dates de sortie, ça pourrit les jeux, quoi. Hollow Knight, il est sorti. Hollow Knight, il était nickel. Hein. Bah, j'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de patchs passer sur Hollow Knight. Alors que le jeu est énorme. Enfin, voilà, c'est... C'est un Metroidvania, donc faut bien tester le fait de pouvoir faire des allers-retours, que tu peux pas avoir de log dans le jeu. Enfin, le jeu est énorme, quoi. Et il est sorti, il était jouable. Et c'est un petit studio, ils sont pas beaucoup, quoi. C'est pas le même public entre Animal Crossing et Doom. Par contre, il y a eu un paquet de mèmes, ça c'était rigolo. C'est-à-dire que ça sort dans X temps, faudrait peut-être faire plus raisonnable sur la quantité de fonctionnalités. Ah oui, non, mais c'est ça. Bah, c'est ce que je disais aussi juste avant, en fait. Le problème, c'est que c'est pas les développeurs qui choisissent qu'est-ce qui va rentrer dans le jeu, en fait. C'est ceux qui choisissent ce qui va être dans le jeu, ça va être les investisseurs et ça va être les décisionnaires, quoi. Et c'est un peu con de dire ceux qui prennent les décisions, c'est les décisionnaires. Ah, j'avoue. Mais si on écoutait un peu plus les équipes de dev et les équipes d'artistes, et bah peut-être qu'il y aurait moins de fonctionnalités, peut-être que ça serait mieux géré, quoi. Mais évidemment, quoi, c'est... alors, vous avez 6 mois. Vous avez 6 mois pour nous faire un jeu comme Cyberpunk. Alors, évidemment, je sais que ça dure plus longtemps que 6 mois. Hein. Mais c'est un peu ça, en fait, dans les studios. C'est, ah, regardez, y a ce jeu-là, il marche super bien. On veut exactement le même, mais pendant qu'il y a encore la hype, donc vous allez nous le faire en un an. Et c'est juste pas possible, quoi. Et rajouter des trucs en plus dedans. Enfin, c'est du délire. C'est du délire. Alors la plaie, c'est le DLC, ça. Hein. L'armure antique, ouais, j'ai trouvé un truc en plus. L'arc de guerre.
Ah, les charognards. Ah oui, les charognards. Sur les batteries. Ah, j'ai jamais fait gaffe à ça. Et les hautes pattes aussi, c'est bien. Donc, bah non, bah en fait, on a que de la quête principale là. Et bah, on va aller au belvédère. Ou alors. Ou alors. Ah. Ou alors, on se refait des mugs et des. On va commencer. Là, on a l'air d'être bien parti pour discuter. Donc, on va se refaire des petits trucs annexes. On va se refaire des mugs, des briquets, des stylos. On va essayer de récupérer toutes les petites merdasses. Par où qu'on va passer? Là, c'est pareil, il y a un truc. Ouais, vas-y, on va prendre le feu de camp ici. Moi, quand le client me dit il faut X pour une date Y et que c'est pas réalisable, je lui informe gentiment que c'est pas possible. Pourquoi l'industrie GE accepte de s'infliger du crunch, outre le fait que c'est une communauté qui est habituée à avoir une hygiène de vie merdique? Ouais, non, mais voilà. On est totalement d'accord. Il y a du crunch parce que on considère que c'est la normalité dans ce domaine, mais alors que ça devrait pas, quoi. Le grand bazar. Oh. Tu veux voir mon grand bazar? Oui. Je fais des glissades maintenant, c'est rigolo. Faudrait que j'apprenne à l'utiliser maintenant en combat. Ce serait pas mal. Et coucou Otto. Et coucou Otto, ça me fait plaisir de te voir. J'ai l'impression que beaucoup de ceux qui subissent le crunch sont les premiers à le défendre. Tu crois qu'il y a beaucoup de devs qui disent « Ah là là, bosser 70 heures, pas voir ma famille et crever à 40 ans d'un infarctus ?» Ah là là, qu'est-ce que j'aime ça. Je suis pas certain. Je peux me tromper, comme beaucoup de choses. Je me trompe sur beaucoup de choses, mais... tiens, en fait, Otto, autre question et autre sujet. Donc effectivement, on a discuté un peu avec Dova. Et Because, elle a le souci aussi de macro-bloc avec certaines de ses vidéos. Elle s'en est rendue compte. Elle s'en est rendue compte parce que je lui ai posé des questions sur moi, mon encodage. Et elle a regardé. Et effectivement, en fait, Twitch conseille pour les jeux normaux. Alors donc, Twitch conseille de ne pas dépasser les 6000 kbps. Parce que après c'est le bordel. Alors tu pourras expliquer mieux qu'est-ce qui se passe si on dépasse les 6000 kbps auto. Je sais plus ce que ça bloque exactement. Tu m'en as parlé, mais je sais plus ce que ça bloque. Donc c'est 6000 kbps max. Mais alors pour les jeux normaux, ils disent ok pour du 1080p 60. Par contre, si vous avez des jeux avec beaucoup de détails et avec qui bougent, typiquement Horizon, Doval a eu le problème avec Dishonored. Et bah en fait il conseille de faire du 900p. Hein. C'est vraiment Twitch qui conseille de faire du 900p quoi. Je connais pas une chienne dev, mais oui, ça râle pendant, mais après ils disent ah ouais finalement on est arrivé donc c'est cool. Plus de 1000 kbps égale source indispo. D'accord, ok. Tu peux plus streamer en source, mais derrière ils te mettent du 1080p 60 quand même. T'as quand même les... T'as quand même la sélection de la qualité si tu veux. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Laisse-moi tranquille. Il a une maison sur la tête. Tu ne vois pas que je cherche dans l'eau? Cherche quoi? Ok, pourquoi? Quelqu'un est tombé? Non, je... Tu as vu une fille dans les 17 ans dans... Je n'arrive pas à le dire. Tu crois qu'elle se serait noyée? Je ne sais pas. Elida, ma fille unique, elle a disparu. Qui d'autre est à sa recherche?
J'ai demandé aux gardes de la chercher, mais je ne peux pas me fier. Ils prétendent que les jeunes fuguent souvent à cet âge, mais pas ma Elida. Si tu streams à plus de 8000, t'as plus la source dispo. Mais ils ne lui ont pas parlé depuis des semaines. Le transcode est imposé, des et si t'as pas le transcode, t'as une erreur de 1000 direct. Ok, d'accord. Oui, donc ce qui me paraît pas logique, quoi. J'ai fouillé partout et je me suis dit que peut-être... Ouais, il me parle de sa fille. Hein. Beaucoup de youtubeurs conseillent de streamer en 900. Ici. Aussi, parce que quand t'es tout petit streamer, tu peux pas choisir la résolution, donc sa vie doit réduire l'audimat. Alors oui et non. Quand t'es... au tout début, non. Quand tu passes affilié, ce qui est quand même le minimum du minimum quand même. Quand tu passes affilié, en fait, tu peux avoir la qualité de dispo. Là, si tu vas voir sur mon stream, en fait, t'as la qualité de dispo. Et pourtant, je suis pas partenaire. Mais c'est parce que quand il y a... ouais, c'est ça. Résolution et différentes bandes passantes. Et on est d'accord. Parce que tu peux streamer en 900 avec 1000 kilos BPS et ta qualité va être dégueulasse. Donc c'est, je pense que c'est en 900 en utilisant 6000 kbps. Je pense que voilà. C'est, patatère, t'as du coup raccourci, mais en 900. Mais en fait, ouais, en 6000 kbps, il n'y a que le 900p qui est correct si t'as un truc qui bouge, quoi. Hein, qui bouge et qui est détaillé. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est que quand j'ai streamé Doom Eternal, il n'y avait pas de soucis. Mais je me pense que Doom Eternal est vachement moins gourmand en termes graphiques, il y a vachement moins de détails en fait. Là on voit que dans Horizon, il y a de l'air partout, enfin ça fourmille de détails partout. Alors que bon, Doom Eternal est quand même vachement plus brut là-dedans quoi. Où a-t-elle disparu ? Dans la maison, hier soir. Elle avait l'air mieux. Ça n'allait pas ? Elle avait l'air renfermée. Triste. T'étais renseigné il y a genre un an, ouais. Comment Doom Eternal est sorti. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Elle a fait ou dit quelque chose d'inhabituel ? Elle était différente ces derniers temps. Elle était si joyeuse avant, à s'amuser avec les garçons. Mais ensuite ? Je ne sais pas. Elle me fait des reproches à tout bout de champ, sans parler du cessez-le-feu. Elle dit qu'on n'aurait jamais dû faire cette guerre. Ça fait un mois que je ne l'ai pas vue sourire. C'était pas ma guerre. Elle passe trop de temps dans sa chambre. Ah, j'aurais dû être plus attentif. C'est une ado, quoi. Quelque chose de précis l'a perturbé pendant la guerre ? La guerre nous perturbe tous. La cruauté du roi Soleil dément. Tout ce sang dans les rues. Quand les hommes d'Itamen ont fui, ils sont passés par ici. Il y a le cessez-le-feu, bien sûr. Mais Elida se morfond plus. L'encodage GPU, j'ai l'impression que c'est trop limité pour les jeux nerveux, sauf peut-être avec le RTX. C'est pour ça qu'avec ma prochaine machine, je passerai l'encodage en CPU. Ça y est, il vient. Il y vient. En fait, moi, je me demande si je pourrais pas encoder en CPU pour les... Il y a autre chose. Il y a autre chose qui aiderait vachement. Ah ouais, attendez, lui, je vais l'aider après. Il y a quelque chose qui aiderait vachement, ça serait qu'on passe en X265, en fait. Qui est plus gourmand pour encoder, qui est plus gourmand pour décoder. Mais derrière, qui à 6000 kbps, ça passerait en fait. On pourrait avoir des vidéos en 1080p 60 avec 6000 kbps. Sauf que quasiment aucune plateforme gère le de H265 pour l'instant quoi. On est encore en H264. Ce qui est bien dommage. Et en fait là, moi par exemple, là sur Horizon, donc j'encode avec le GPU pour vous envoyer, balancer le stream. La charge CPU serait vraiment plus lourde. Oui mais attends. Parce que déjà, les CPU vont commencer à embarquer matériellement l'encodage 265. Si c'est pas déjà le cas d'ailleurs, je suis en train de me demander si c'est pas déjà le cas. Et derrière, tu vois, donc oui, je parlais, j'encode avec le GPU pour vous envoyer sur Twitch. Et derrière, je local record en 15 000 kbps avec le CPU. Et là, mon CPU, il est à 25%. Et je me demande en fait si je pourrais pas mettre les deux sur le CPU, quoi. Plutôt que GPU pour le stream et CPU pour local record. Parce que là, ouais, le CPU, il a 25%. Là. Il glandouille. Il s'en fout. J'ai une quête là-bas. Du H265 en 8000 kbps. Ah bah, même en 6000, hein, franchement. Je pense que ça passerait. Mais je sais pas pourquoi les plateformes du coup s'en servent pas encore quoi. Bon, c'est parce que le transcode de leur côté aussi prendrait plus de temps. Oui, effectivement. Même les meilleurs jours, je ne fais quasiment pas de bénéfices.
C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup donner à ceux qui sont dans le besoin. T'es gentil, madame. Un fruit, ça te dit ? Si oui, dépêche-toi avant que quelqu'un vienne shipper les derniers. On vous vole votre marchandise ? Oui, presque toutes les nuits. Je n'en suis pas encore à mettre la clé sous la porte, mais ça n'aide pas mes affaires. Le voleur n'a jamais laissé de traces ? Quelques pelures séchées près de l'entrepôt, rien d'autre. Pas vraiment des indices. Ah, mais je vais pouvoir voir ça avec mon focus. Et les gardes n'ont pas mené l'enquête ? Ils disent que ce seraient des animaux. Mais au fond, ils s'en fichent. Le gagne-pain d'une femme, ça ne les intéresse pas le moins. Là, vous connaissez en nos collèges non-stream, j'en ai marre du MP4 H265 et j'ai entendu parler du AV1 qui était plus léger et de meilleure qualité. Vous connaissez les bons formats, compatibles partout et de bonne qualité et léger. L'AV1 est beaucoup moins compressé, donc à chier pour le streaming, mais excellent pour du local, Blu-ray, tout ça. Mais sinon, le H265 en fait fait vachement mieux en fait. Que le 264, si jamais t'as des trucs à publier, ouais. Mais je sais qu'Otto est calé là-dedans. Tu connais quelqu'un ? Ici, je connais presque tout le monde depuis l'enfance, et personne n'irait voler de la nourriture. Ils ont beaucoup d'autres vices, bien entendu. Je sais suivre une piste. Je pourrais chercher votre voleur. Vraiment ? Merci. Tu devrais commencer par l'entrepôt près de la rivière. Cette personne doit être désespérée pour me voler au lieu de me demander de l'aide. Je vais voir ce que je peux trouver. C'est vrai que la meuf, elle a l'air d'aider tout le monde. Il y en a un petit enfoiré, qui lui pique quand même des trucs, quoi. Soleil et ombre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? La soleil et ombre, c'est l'histoire de la meuf, là. C'est la petite jeune qui... Ah non, non, mais je... J'ai cru que c'était les mannequins d'entraînement. Putain, je commence à confondre les gens avec des mannequins d'entraînement. C'est moche. Les appels de foot, de la police. Plouf. Waouh waouh. Ah, la Nora dompteuse de machines à la lance hors du commun. Quelle chance de te rencontrer. J'ai une proposition. Approche. C'est une proposition, approche. Bizarre. Hein. Le 264 flingue trop les couleurs en plus, la torture de régler le gamma des jeux sombres. Ah bah oui, non mais alors ça... Ça toi t'y vois bien, et puis derrière le stream, tout est noir. Tout est noir, y a rien, tu vois rien. Toujours encodé dans 264, mais je trouve les exports premiers After Effects beaucoup trop lents qu'avant, depuis les dernières versions des softs. Du coup je cherche un autre format souvent pour exporter sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour les réseaux sociaux, est-ce que Twitter gère le 265? Je suis pas sûr. Mais par contre, le 265 est beaucoup plus lent à encoder. Hein. Et plus lent à encoder, plus lent à décoder. Hein. C'est les deux. Hein. Tu prends plus à l'encodage, tu prends plus au décodage. Hein. Par contre, tu devrais encoder en CPU pour Twitch et local record en symétrique. Non, tu te perdrais moins. Attends. Peut-être en qualité VOD, mais il n'y aura plus de macro. Ah mais non, il y aura de la du macro bloc quand même quoi en fait. Mais tu te rends compte que pour YouTube j'encode en 15 000. Pour YouTube j'encode à 15 000 et il y a encore un peu de macro bloc avec en CPU et il y a encore un peu de macro bloc avec Horizon. Hein. 1080p50, 15 000 kbps et tu pourrais augmenter la charge CPU si t'es en symétrique. Mais ouais mais non, mais est-ce que je peux pas envoyer sur Twitch en 15 000 moi? C'est ça le problème. Moi je suis limité par mon VDSL. Le macro est lié à la charge, pas au bitrate. Ah non, non. T'as du macro, c'est pas que la charge, hein, c'est le bitrate aussi qui joue. Hein. Le SSD a peut-être du mal avec le débit enregistré. Hein? Mais attends, mon SSD il peut bouffer 300 mégaoctets secondes.
Lisez une vidéo. Une vidéo à 15 mégabits par seconde. Divisé par 8. 2 mégaoctets secondes, hein, la vidéo. Mon SSD, il en bouffe du 300. Je pense que c'est ok. D'accord, Fernound. Qu'est-ce que tu proposes ? Aucun proco peut saturer un SSD. Et aucun proco qui fait de l'encodage vidéo, encore moins, quoi. Et moi, j'en ai trouvé. Qu'est-ce que c'est ? Une relique. Un objet des anciens. Tu saurais sûrement mieux que moi ce que c'est. Malheureusement, il est trop haut pour que je l'attrape moi-même. Ah, je vois, et tu veux que j'aille te le chercher. Mais en voilà une bonne idée. Tu es plus doué en escalade que moi, c'est certain. C'est sûr. Prends-le, rapporte-le, et on se partagera les quins. J'aimerais bien voir ce que c'est d'abord. Si tu veux. Hé, Fernound, mes yeux, ils sont plus hauts. J'admire ta lance. Elle est superbe, mais comment ça marche ? On plante le bout pointu dans les machines. D'accord, mais comment ça change un ennemi en allié ? C'est simple, vraiment. Ah oui ? Mais tu ne comprendrais pas. Oh ! Oh, elle est un peu connasse des fois. Hein. J'ai déjà vu mon HDD à 100% quand j'exportais des vidéos en haute qualité. C'est vrai que j'ai pas trop testé sur SSD, my bad. Ouais, et puis en plus, ce qui pose problème, alors il n'y a pas ce problème avec les SSD, enfin il y a moins le problème, c'est les files d'attente en fait. Mais il y a une file d'attente en fait sur un HDD, et du coup derrière, ça peut galérer. Elle est au téléphone, donc pas de son de mon côté. Attendez, on va faire coucou. Coucou Number 80. Tu fais quoi exactement ? Je suis négociant en objets précieux. J'achète pas cher, je vends très cher. Mais dans notre affaire, tu ne dépenses rien. Parfois, je trouve des objets aussi. Oh, ça le voleur, quoi. Je vois. Admettons que j'accepte. Qu'est-ce que je devrais faire ? La relique se trouve sur la Mesa du... Et encore, le SSD que j'utilise... le SSD que j'utilise pour les vidéos, j'ai pris du SATA. Parce que, clairement, c'est moins cher. Hein. Mais pour le système, j'utilise du NVMe. Et donc là, ça explose le serial. En fait, les SSD sont limités maintenant principalement par le serial ATA. donc maintenant avec les NVMe, bon, vas-y. Hein. Sauf en RAID 0 jusqu'à ce que ça lâche. Parce qu'il faut regarder du SMR. Ah là là. Le SMR. Toi, tu as acheté du Western Digital. Qui sont pas très très précis sur ce qu'ils fournissent, hein. Disons que ils ont mis des noms SSD qui sont pas très parlants, mais évidemment ils ont pas fait exprès. Même pas Seagate et tout. Ah, j'ai trouvé que c'était plus clair chez Seagate. Ah, tu vois. Une piste. Proposition étrange. Voilà, à la Mesa du couchant. Bon allez, voilà, on va commencer par ça. Il est où l'entrepôt ? L'entrepale. Ah bah ouais, non, pour du raid, ouais, les SMR, une bonne connerie. Hein. Ce tonneau a été déplacé récemment. Et voilà, des traces. T'es où ? T'es là. Les petits dindonos, les petits dindonos.
Les petits dins, les petits dins, les petits dins, dono. Ah la 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 la. Et je commence à péter un peu. Les petits ratons. Oh, oh putain, c'est le paradis des lapins ici. Hein, hein quoi? Il n'y a plus de piste là. Ah oui. Des fruits pourris. Ça plaît aux lapins. Ah, c'est pour ça qu'il y avait des lapins. Tiens donc, le voleur a laissé une piste de fruits pour moi. Si j'arrive à les voir dans l'herbe. Attends, il y a un raton. Eh. Œil de lynx, on m'appelle. Putain, mais des lapins partout. Lapins everywhere. Il y a du velouté frix partout. Et aussi ça. Et sinon le petit 800 MO seconde en HDD c'est agréable. Enfin c'était ouais. Débit est pas partagé sur les ports PCI Express, genre carte graphique plus SSD qui se bouffe entre le débit ou bien c'est pas possible parce qu'ils peuvent pas atteindre le max. Le SMR c'est de la merde ouais. Un disque isogénique ouais. Ouais non, le CPU a certes un nombre limité de lignes PCI mais c'est 16 fois, c'est plus 4 ça passe. En plus non, alors, à moins d'avoir un corps de duo, c'est plus compliqué que ça pour les lignes PCI Express. En fait, t'as les lignes maintenant qui sont intégrées au CPU et t'as les lignes qui sont qui viennent du chipset. Et les deux sont pas les mêmes. Donc tu peux, en fait, en fonction, en fait, faut lire ton manuel de carte mère et sur ton manuel de carte mère, il va te dire qu'est-ce qui est partagé ou pas. Donc t'as plusieurs lignes sur le CPU et t'as plusieurs lignes sur le chipset. Et donc bah faut compter le nombre de lignes que tu utilises. Et faut mettre sur les emplacements en fonction de ce que tu veux quoi. Donc c'est voilà, c'est un peu plus compliqué que ça quoi. Mais ouais non, tu peux avoir un truc. Tu peux en avoir plusieurs sans que ça soit partagé forcément quoi. Merde, j'avais un feu de camp, je l'ai pas utilisé. J'ai pas débloqué de feu de camp, je suis con. C'est la fin. Dégagez les sangliers, que je puisse jeter un coup d'œil. Ah, c'est les fameux sangliers incassables. Cette fois, ce sont des empreintes de pas. Par contre, du coup, pour un HDD 4 Tera en interne, vous avez une excellente ref. Hein. Je croyais que Seagate c'était bien. Ça dépend en fait. Ça dépend des types de disques. Les CMR, ils sont bien en fait. Mais que ça soit chez Seagate, chez Western Digital. Je sais que j'ai les deux, moi. En 4 Tera, j'ai les deux. Et les deux, en plus, sur un raid. Enfin, sur deux types de raid en plus. Et les deux types de raid se marient bien, quoi. Yep. C'est pas du bottleneck, c'est carrément l'un ou l'autre au niveau de la carte mère, exactement. D'accord, c'est un peu comme la fréquence de la RAM. C'est pas la carte mère qui gère, c'est le CPU qui définit le max. Bah, du moins maintenant en fait, il y a plein en fait. Avant, sur les cartes mères, il y avait un North Bridge et un South Bridge. Et en fait, de plus en plus, il en fait, y a plus de North Bridge. Tout a été intégré au CPU maintenant quoi. Et en fait, du coup, en fait, maintenant, on appelle ça des CPU, mais c'est plus des CPU, en fait. Ce qu'on appelle des SOC, des System on Chip,
En fait, c'est plus juste les processeurs qu'on a aujourd'hui. En fait, c'est pas juste des processeurs. Il y a d'autres fonctionnalités qui étaient avant, déléguées à d'autres puces, qui sont maintenant intégrées dans le CPU, quoi. Et donc maintenant, on n'a plus vraiment des CPU. En fait, on a des SoC, quoi. Et si tu mets un SSD M2, tu perds SATA 0 et 1 par exemple. Je connais pas de carte mère qui mettent les 16 lignes GPU en commun avec les SSD, mais peut-être que je me trompe. Bah, je pense que sur les trucs pas chers, oui, ça doit se faire. Ah, regardez, le mec il est en bas, il a l'air d'un con. Des packines. Est-ce que j'y vais direct ou est-ce que j'essaie de leur casser la gueule avant? Ah oui, bah regardez, il s'énerve déjà lui. Ah genre il fait... Ouais d'accord, il se passe rien. Ouais voilà. C'était défaut. Ouais, souvent ouais c'est ça en fait, ça désactive... Ça désactive en fait des ports SATA souvent. Oh! Oh, il l'a évité! Hop! Là. Voilà, un de moins. Ça c'est fait. Plutôt une bonne nouvelle. Super. Non. Faut y aller un peu au pif. Hein. Merde, dommage. Oh le salaud! Voilà, tu vas te barrer, hein? Ouais, c'est ça, tu vas arrêter de me faire chier. Merde! Et bisous. Coucou, il s'envole. Regardez, il s'envole. Eh ben, il veut pas crever, hein? Où est-ce qu'il a filé? Ouais, voilà, quand même. Que je vais aller chercher le truc là-bas? Non, j'ai peur de mourir. Les trois fabricants qui se valent, ils ont autant de taux d'échec à gamme équivalente. Faut que tu regardes la technologie des critters. SMR, CMR, etc. Sachant que le SMR c'est de la merde. En gros, on est d'accord. Des rotations des plateaux qui terminent le temps d'accès aussi, le bruit qu'on fait dans les disques. Là, du cache qui participe également à un meilleur temps d'accès, à une meilleure gestion des files d'attente dont parlait Tony Hobb. Et ouais! Je dis pas trop que des bêtises. Mais en gros, ouais, faut... En fait, ils ont tous des super disques et ils ont tous des ratés, quoi. Mon focus pourrait peut-être m'aider. Super. Donc, je suis dans une zone où il y a des trackers. On va bien s'amuser. Évidemment, il va en plein dans la zone avec les trackers. C'est super, je suis ravi. Ça devait être une petite quête de rien du tout. Finalement. Il y a des gros trackers. Je suis trempé de sueur. Il y a un soft qui permet de voir les infos des disques. Je trouve pas SMR, CMR sur les fiches d'achat. Non mais alors justement, vu que c'est un truc qui fait vraiment chier. Ils essaient de... Alors, faut voir en fait en fonction... Par exemple chez Western Digital, c'est en fonction du nom de la gamme. Et je crois que c'est celles qui ont un E qui... qui change... Enfin tu vois, qui change le type en fait d'écriture. C'est immonde. Franchement c'est immonde.
La manière de faire est juste dégueulasse. Raton, raton. C'est bien. Oh, regardez. La bouffe. Merci, sauvage. Tu m'as sauvé du jugement du soleil. Sauvage ? Il m'a appelé sauvage. Tu peux m'expliquer ? J'ai quitté la misère de Brunante il y a quelque temps, sachant que jamais je ne pourrais revenir à Méridien. Alors, j'ai commencé à voler de la nourriture à une marchande, au Grand Bazar, pour survivre. Mais le soleil m'a puni en m'envoyant cette étincelle. Tu penses qu'elle t'a attaqué à cause de tes méfaits ? Mais forcément ! Je pourrais présenter mes excuses à cette femme. Le soleil me pardonnerait, et il ne m'enverrait plus d'étincelles. Alors, j'ai abattu les étincelles, mais oui, je pense que tu ferais bien d'aller t'excuser. Cette marchande est très gentille. Elle te pardonnera. Le soleil a parlé ! Merci encore, sauvage. Que le soleil éclaire ton chemin ! Ouais, mais là, je sais plus exactement quels sont mes disques durs et quel site je les avais achetés. Du coup, je sais plus trop. Alors, globalement, c'est une techno qui est quand même globalement récente et qui est plutôt sur les disques à haute capacité. Si t'as, des disques de 1 ou 2 Tera, normalement, ils sont CMR, c'est ok. J'ai toujours utilisé LDSC pour mes configs parce que leur site est très bien fait. Par contre, j'achète plus chez eux car beaucoup trop cher. Genre 15% plus cher que la concurrence. Ça dépend des fois. Hein. Il y a des fois, le prix est ok chez LDLC. Mais globalement, oui, ils ont tendance à être un peu plus cher. Hein ? Bah, la fin de ma quête, là ? Quoi ? Je veux la fin de ma quête, moi ! Comment chercher un soft qui donne la rêve des HDD installés dans mon PC. Sinon on recherche tes factures, sinon pas ta tarte si tu veux pas. Si tu veux pas ouvrir ton PC, tu peux chercher la facture. T'auras les refs dessus normalement. Mais je suis où ? Merde, je vais dans l'autre sens. Oh, putain, je vais dans l'autre sens. J'allais dans le mauvais sens. Elle est où ma pote ? Elle est plus là ? Ah, c'est barré en fait, non ? Oui, peut-être. Oh, un livre. Ava va restaurer une paix longuement attendue. Tu veux acheter quelque chose aujourd'hui ? Bon, vas-y, fais-moi un truc, toi. La boîte gratos. Merci, bisous. Je suis vraiment dégueulasse. Hein. Les pauvres. Tac, tac, tac. Les quêtes. Et donc, c'est où ? Elle. Hier soir, j'en ai arrêté deux pour trouble à l'ordre public. On dirait qu'Elida a laissé quelques petites choses. Ah, il y a un truc là-bas. À voir de loin, non ? On dirait qu'elle faisait du jardinage. Quelque chose est enterré. Non, ça a été déterré. Il doit y avoir une piste. Qui installe une longue vue dans son jardin ? Okay.
Il y avait quoi d'autre? C'est quoi cette bouteille? C'est quoi cette bouteille de lait? C'est quoi cette bouteille de lait? Oh, ça sent la cendre ou les œufs pourris. Je vais la vider. C'est quoi cette bouteille de lait? Pas. Comment on fait les bébés? Des pétales? Pourquoi elle cueillerait des fleurs dans son propre jardin? Elle avait un amoureux. Non, non, non. Je te tiens au courant. Soleil, Avad devrait mater leur rébellion. Pendant ton prochain combat, tu regretteras certainement d'être pas tes femmes. Ailleurs. Tu vas trouver quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Utile. Les pétales s'arrêtent ici, au bord de l'eau. Son père avait peut-être raison, à part pour l'endroit. Des cordes pour attacher un bateau qui n'est plus là. Elle s'est peut-être rendue sur cette île en bateau. Je crois que je vais devoir nager. Ça, c'est moi. Ça, c'est ta mère. On a les mêmes refs. Hein. Par contre, pour refaire une parenthèse sur l'encodage, t'arrives à faire tourner le jeu en encodant CPU low? Parce qu'en 6000 kbps, le 1080-30 devrait pas macro. Alors, le CPU, c'est juste pour le local record. Je suis en GPU. Pour le stream et en local record je suis en 15 000 maintenant. Si je passe en stream CPU, bah avant j'étais en CPU, ça marchait hein. En quelle vitesse d'encodage pour le local? Je suis en 15 000 kbps. Ah, quelle vitesse? Oui, pas quel débit. Je sais plus. Enfin, je vais aller voir. Désolé YouTube. Hein. Paramètres. La sortie. Enregistrement. Je suis en fast. Je suis en fast. Il y a Otto qui s'excuse hein, de ces questions. Ah, la lumière qui flash pas du tout quoi. Je suis pas en train de perdre un œil. T'as du mou sous la pédale ou t'es à fond? Ah non, je te disais, je suis en, là en CPU, là je suis à 33% là. Je peux encore lui en mettre plein la gueule hein. D'autant plus maintenant que je suis passé en 50 fps. Ah, faudrait que j'arrive à choper le long coup ici. Non mais j'ai un Ryzen 3700X, j'ai 8 cores, globalement, il se touche lui. Hein. On va essayer en medium, voire en low, pour le stream et la vidéo.
Ouais, faudrait que je teste. C'est quoi, c'est une carrière ça? Tiens, tiens, tiens. Ah, carapateur, attendez. Carapateur, ça me parle. Didacticiel. Merde, y'a pas. Ah, sur les batteries. Shit. Est-ce que je peux pas faire ça? Fixer des bombes collantes. Regardez, on va faire ça. Du coup, on va changer un des arcs. Les armes. Les bombes collantes, c'est avec quoi? C'est avec ça? Ouais, c'est avec ça, j'imagine. Bombe explosive. Bombe collante. Merde. Bah voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça la voilà Elida. Elida. Donc j'ai 3 SSD, 1 Tera M2 et 2 SATA 500 Giga et 2 HDD 2 Tera et Tera 4 Tera, 4 Tera SMR, 2 Tera probablement SMR également. Car tu sais que la symétrie n'augmente pas la charge CPU, donc faut mieux bourrer la vitesse ou plutôt la lenteur d'encodage plutôt que le débit restant en symétrie. Enfin, attends. Hein, quoi? Où? Hein? Mais qu'est-ce que tu me... Non, vas-y, explique-moi parce que je comprends pas ce que tu veux dire par la symétrie ou pas. Cher auto. Descente rapide. Pourrais-tu m'aiguiller s'il te plaît? Est-ce que c'est toi? Tu l'as eu. On dirait que quelqu'un fait un jardin ici. Moi je veux mon quart de carapateur. Putain, mais qu'est-ce que j'ai encore chopé pour que... Symétrie stream VOD. Bah oui, alors donc j'ai bien compris. Mais je peux pas. Parce que ça voudrait dire que... Ça voudrait dire que pour le local record je fais du 6000. Oui, je sais que j'ai deux, mais ça voudrait dire que je me limiterais à 6000 pour le local record. Qui es-tu? Où est-ce que tu as appris à te battre? Et qu'est-ce que tu fais ici? Et ça si peut tu foutre. Commençais plutôt par répondre à ma question. Voilà, merci. Qu'est-ce que tu fais sur cette île? Je suis venue... Pour être seule. Tu sais que ton père te croit morte? Oh, je suis étonnée qu'il ait remarqué mon absence. Il a envoyé tout le village à ta recherche. Il s'inquiète. Le carapateur m'a coincée. Tu t'en es occupée, je te remercie. Je vais me débrouiller. Mais l'eau 6000 supérieure à face 15000? Non. Ah non, tellement pas quoi. Bah à 15 000 déjà le CPU il a plus grand chose à foutre hein. Parce qu'en fait plus tu baisses le débit et plus l'encodeur doit bosser pour essayer de faire rentrer tout ce qui passe dans ce débit là en fait. À 15 000 déjà la pression sur l'encodeur elle est quand même vachement relevée. En fait si je mettais 150 000 il y aurait aucune pression sur l'encodeur en fait. C'est il compresserait pas en fait. J'aurais un flux non compressé.
Et que je le mette du coup à ce moment-là en fast, en low, en speed, en normal, en monsby. Si j'étais à 150 000 kbps. Alors je le suis pas à 150 000, hein, je suis à 15 000. Mais un peu réducteur, mais oui, je sais ce que tu veux dire. Toi, si, s'il n'y a plus besoin de compresser derrière, il s'en fout quoi. Pourquoi tu as apporté des fleurs ? Mais faudrait, oui, effectivement, que je le mette en médium. Faudrait que je le teste. Pour que ça ait l'air d'un foyer pour nous tous ? Nous tous ? Il y a quelqu'un d'autre ? Ah, quelqu'un dans sa tête, alors. Non. Je voulais juste faire une petite surprise à mes amis. Il n'y a personne d'autre ? Allons. Rentrons au village, toutes les deux. Je dois finir de faire mon jardin. Je vais rester encore un peu. Ça ira, je te le promets. C'est bizarre. Tu sais, je crois que je vais rester un peu aussi. Pour explorer. Tu n'es pas obligée ? Bien sûr que si. Des couchages. Il y en a deux. Et deux tasses. Elle n'était clairement pas seule ici. La copine. Ah, faut que je lui reparle. C'était déjà un peu clair quand même hein, que... Elida, si tu es là pour être seule, pourquoi est-ce qu'il y a deux couchages ? Et ne mens pas cette fois. Oh, par le soleil, je ne sais pas où il est. Qui ? Atral. Il allume un signal quand je peux le rejoindre, mais... il n'est pas là. J'utilise un peu comme cobaye parce que j'hésite entre le 5900X... 5950X, j'ai peur que les 4 cœurs de plus soient superflus. Ah, sur le 5950, il y a 12 cœurs. Qui est Atral ? Je le connais depuis l'enfance. 12 et... Non mais... Bah... Il me glissait des verres dans le... Non mais le 5900 sera suffisant. Hein. Mais ces derniers mois, on se retrouvait. Tout était différent. 8 cœurs, c'est saut 2018. Il m'a aidé pour ce jardin. J'avais tellement hâte. Ah ouais, non mais attends déjà, regarde. J'ai que 8 cœurs. Et déjà le CPU, il branle rien quoi. Non, pas vraiment. Pourquoi garder tout ça secret ? Atral, c'est quoi la différence de prix entre les deux ? À l'avant-poste de l'autre côté du lac. C'est une trahison de se parler. Je ne peux rien dire à mon père. Personne ne doit le savoir. Et 200 balles en pourcentage, ça fait combien ? Alors pourquoi vous vous retrouvez ici ? On y venait enfin. Quand il est parti, je revenais là parfois. Un jour, je suis tombée sur lui. Il m'a fait un grand sourire. On a essayé de jouer comme avant, mais... la guerre l'a changé. Nous a changé. On n'est plus des enfants. On a commencé à se voir en secret. Il allumait un feu pour me dire qu'il pouvait quitter son poste à la citadelle, mais... hier soir... Il n'est pas venu. Je n'ai pas bougé depuis, mais je n'ai vu personne d'autre que toi. Ça suffit. Tu dois rentrer. Pitié. Tu es venu jusqu'ici. Tu peux chercher Atral. Il a allumé un feu sur une île près d'ici. Si je pars, il peut se faire tuer. On romprait le cessez-le-feu. Mais Nora, non. Je ne voulais pas que ça en arrive là. Je suis désolée. J'essaierai de le trouver si tu rentres chez toi auprès de ton père. D'accord. Mais retrouve-moi là-bas. Je ne peux pas vivre sachant qu'Adral est peut-être blessé. Ok. J'ai 12 cœurs et ils sont utilisés en même temps que dans certains cas précis. Et prends bien en compte la fréquence max. Elle doit être moins grande avec 16 cœurs. Le matchmark montre que ça vaut pas le coup. Il faut penser large, 16 cœurs égale plus grand d'ail et donc capacité d'avoir clic supérieur. Ouais. Ça veut dire aussi plus d'emmerde. plus d'emmerde. Quoi ? Mais pourquoi ça m'a rechangé la quête là ? Y'en a marre ! J'en peux plus là !
J'ai pas vu des crocos à la con là tout à l'heure. Et c'était peut-être plus là-bas, je sais pas. Peut-être. Clang clang. Non. C'est quoi comme arc que j'ai? Non, je veux ça moi. Merci. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ok. Merde, il a pas. Si. Ok, bon. L'eau est froide, elle vient des montagnes. Ah, attendez. Ah mais ça, je les ai augmentés. Ah, j'avais oublié. Peau de raton laveur. Ah, il me reste plus que ça en fait. Ah mais tout le reste, je vais pouvoir vendre en fait. En fait, je vais pouvoir commencer à vendre les ressources à la con. La sculpture, vas-y. Des bisous patatarte, merci d'avoir été là. Merci d'être resté si longtemps finalement. J'ai déjà trop de choses. Vas-y, je me fous. Je me casse. Arrêtez de vouloir faire de moi quelqu'un de raisonnable. Ça me rassure, mais disons qu'avec mon 7700K, j'avais un peu peur d'être petit bras avec 12 cœurs. Ça fait déjà une heure que j'ai lancé le stream, j'ai rien foutu. D'ailleurs, je vais lâcher un petit kit 7500K Z270E 2x8Go à 3600MHz plus H115i, si ça intéresse quelqu'un. Et la joie des open world. Non, mais c'est surtout la joie en fait de, de discuter en fait. D'habitude je vais un peu plus vite, mais là la conversation est plutôt intéressante, donc je préfère qu'on discute. Plutôt que de vraiment me concentrer à fond sur le jeu, c'est pas grave, ça fera une vidéo de plus pour YouTube où il se passe rien quoi. Ils vont être contents YouTube, ils aiment bien. Ils aiment bien quand il y a rien. Les vidéos où il se passe des trucs, j'ai un viewer, j'ai une vue. Voilà, et les vidéos où il se passe rien, j'ai deux vues. Je dirais qu'il y a eu une bagarre et que quelqu'un a été emmené de force. Donc c'est bien la preuve, il y a deux fois plus de vues quand il se passe rien. Voilà quoi. Mais en même temps ça leur apprend des trucs à YouTube, ils sont contents. Ils sont contents, si vous voulez apprendre un petit peu comment ça marche l'encodage. CPU, GPU, Twitch, YouTube, tout ça. Je coupe l'autre doigt. L'autre doigt, comment ça? Hein? Comment ça, l'autre doigt? C'est sûrement Atral. Hola! Hola, Ketal! J'en ai marre de l'entendre crier. Je veux qu'il parle. J'arrive pas à croire qu'il est combattu dans notre camp. Tu peux me croire, les traîtres sont partout. J'en suis pas si sûr. Mais si. Dès que ça se corse un peu, les gens baissent les bras. Ils veulent la facilité plutôt que la justice. Tiens, écoute-le. Ça a pas l'air facile. Il y a pas mal de gardes. Ça dure depuis des heures. Je dois trouver une autre entrée. Je te garantis qu'il allumait ce feu pour dire à ses copains de Méridion de venir le sauver. Pour le ramener dans la capitale vers... Thank you.
Oh mais là, je vais me casser la gueule là. Ah non, d'accord, ok. Je viens de comprendre. Il y a un côté Red Dead Redemption dans l'environnement généralisé, ça fait très nord du Mexique. Ouais, bah, enfin, ça dépend des environnements, parce qu'il y en a évidemment moult dans le jeu. Quel con! Attendez, je vais faire un truc. Quête. J'avais pas vu qu'il y avait un mec en haut aussi là, c'est chiant. Regardez. La fronde explosive. Donc là. Tac, je reprends la fronde. Ah bah je l'avais pas rechangé. Hop, donc là. Oh merde, ils s'en vont. Oh les salauds. Je ne suis pas là. Je t'ai trouvé. Qu'est-ce qu'ils me font? Il y en a en bas qui essaie de me balancer des trucs là. Là ça m'en tue pas trop en même temps quoi. Je vous emmerde, les gens à ma maison. La peine de chercher. Tu l'as en pleine tête, ouais. Tu l'as en pleine tête. Je peux les voir, mais pas eux. Il est où lui, celui qui m'emmerde depuis tout à l'heure là? Il est là. Non mais... Genre ça lui place à travers quoi. Bon bah du coup c'était pas du tout en mode sneaky quoi. Ça m'aidera. Oh non, l'amulette là c'est bien. L'amulette ça vaut cher. L'amulette c'est des sous. De la moula. Qu'est-ce qu'on va vendre? Vas-y, l'os de rat, ça me sert plus à rien, je pense. C'est rare de voir un tel powerplay. Il se fout de ma gueule. Mais non, mais comment je pouvais savoir qu'il y avait un mec en haut des escaliers, sans déconner, un moment, soyons raisonnables. Bon, il est où, machin?
Atral. Gabriel Atral. C'est toi, Atral ? Elida m'envoie. Elida, j'allais lui demander de fuir avec moi. De partir loin d'ici. Quelque part, au soleil, où aucune ombre ne pourrait nous atteindre. Mais on n'aurait jamais pu. Il m'aurait suivi. Je l'ai compris. Elida, dis-lui qu'il ne savait rien au sujet de notre île. Tout va bien. Donne-lui ça. Dis-lui que ça vaut la peine. Oh, il est mort ! Atral ? Genre, ils lui ont coupé deux doigts, il est mort. Oh, pauvre Atral. Et pauvre Elida. Là, il a saigné que ça, quoi. Putain, le mec. Le mec, ça y est, il s'est coupé. Il est mort, quoi. Il est mort. Oh ! Oh, regardez, je suis pas loin. Non, mais là, c'est trop tentant, évidemment. Je vais évidemment aller choper... le long coup. Sauvegarde, hein. Petite sauvegarde. M'étant déjà fait baiser un paquet de fois. Y'a personne ? Alors par contre le long coup il est là-bas. Hein. Merde, c'est des gentils ça ou c'est des méchants ? Merde, c'est des gentils ou c'est des méchants ? Bah c'est des riens du tout. Encore un signal. Pourquoi je peux pas les scanner eux ? Je crois que je me rapproche du signal. Ah ! Oh bah, je crois qu'il est mort. Ils ont réussi. Jusqu'à la tête du grand coup. Ah là c'est des flèches. Ah oui non c'est bon je me rappelle. Là. Flèche électrique. C'est ça. Donc il faut que je change mon arme. L'arc de guerre de l'ombre. Hop. Que je mets là. Merci. Et donc flèche électrique sur les batteries qui sont derrière. C'est ça. Oh à côté. Nul. Oh tout à côté. J'ai rien mis hein. Aïe.
Allez, ça c'est fait. Quoi de la bluette, on s'en fout. Donc ça, la morbidité élevée. Qu'est-ce que tu racontes? Regardez, il y a des toutous. Il y a les toutous chiens. Merde. Fait qu'on charge pas à fond le celui-là. Par contre, ouais, du coup, je pourrais utiliser ça. Merde, mais toi, il bouge à ce moment-là! Allez. Nice le. Le mec, ah le mec qui meurt avec deux doigts coupés. Ah oui non effectivement ouais. Ah non c'est... Moi qui aime voyager léger. Je trouve ça un peu abusé quoi, deux doigts coupés. Deux doigts coupés fin quoi. Putain, on en a foutu partout quoi. Mais si je lis mon chat. Il est où d'ailleurs mon chat? Il est où mon chat? L'autre connard en haut là, faut que je lui casse la gueule à lui. Merde. Oh c'était bon. Il y avait du monde en fait. J'ai réveillé tout le monde. Merde. Aïe. Putain j'ai mal d'avance quoi. Ah oh, puis là ça y est il fait un tour. Merde. Je suis baisé. Ça sera pas ce tour là, ça sera au prochain. Y'a quoi comme ennemis là? Oh oui non mais y'a eux. Attends.
Mais merde! Je dois être hors de danger. Je dois être hors de danger, bah ouais. Non, non, il y a juste les autres là qui me balancent des boules de feu, hein. C'est tout, hein. Alors, du froid. Attends, on va faire un truc. Celui là-bas qui est au fond. Oh là là, ça passe au-dessus. Merde, merde, merde. Oh, il me franchit les souffleurs de verre, là. Allez. Oh, ta gueule. Salut Essila. Je connais pas le jeu, c'est quoi le but? Eh bien c'est Horizon Zero Dawn, c'est un... Ils sont revenus eux? C'est un jeu d'aventure action, RPG, tout ça, qui est vachement bien, je l'aime. Mais pourquoi c'est au-dessus? Et normalement je suis bon mais mais pas là quoi. Et il m'a vu. Attendez, je vais faire un truc. Je vais courir déjà. Bon, je vais courir mieux. Elles sont où les armes? Putain, tout à l'heure il y avait des armes. Oh merde. Je suis un connard. Bien wesh. Allez. Si Tony Hub est si concentré, c'est pour ses tirs soient plus précis. Non mais non mais non. Oh là là, là là, il parle mal. Il parle mal, il parle mal. C'est Breath of the Wild contre les cafetières gilets jaunes. Merde, les objets dépop. Non, mais jette l'arnaud sur quelque chose parce qu'ils veulent juste jouer. Non, en fait, ils peuvent. En fait, on peut détacher les armes des ennemis. Et derrière s'en servir, donc ce qui est une mécanique quand même du jeu qui est vachement bien. Les objets dépop pas. Tu vois, bah par exemple là-bas le truc jaune, je montre avec le doigt. Regardez le truc jaune qu'il y a un peu plus au-dessus là. Attends, déjà, est-ce que je peux le montrer? Ah merde. Vous voyez le truc jaune là, qui est devant la Stargate là. Hop. On peut le prendre, c'est une arme, et s'en servir. Et en fait les ennemis se rendent compte qu'on peut se servir de ces trucs là. Et ont tendance à les casser en fait. C'est eux qui y vont. Et ils les détruisent avec leur petite patoune pour ne pas qu'on s'en serve. Ils sont malins.
Vas-y, ça je vais... Putain, c'est des trucs... En fait, je suis en train de me débarrasser des trucs rares. Alors que j'ai des merdes comme les lentilles de veilleur que je peux virer comme je veux. Pas bouger ta cam avec ta GoXLR ? LOL. Ah, regardez, c'est ça, vous voyez ? Ça par exemple, c'est canon de ravageur. Et donc je prends le canon de ravageur. Les ravageurs comme dans le film là. Ah oh, mais attendez, le canon de ravageur. J'ai pas vu une zone... Ah mais si, regardez. Zone corrompue. Et un truc qui est vachement bien. J'y vais avec ça. Dans la zone corrompue là. Alors la zone corrompue, c'est parce que... Il y a... Il y a les Balkany qui sont installés. Donc c'est full corruption du coup. Et donc le but, c'est d'arriver avec le gros canon. Et d'en mettre plein la tronche. Des Balkany. Vous voyez ? Et là on y va. Oh il est pas mort. Non 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 non. Va-t'en. Non mais... C'est parfait. Et voilà. Voilà. Ça c'était la zone corrompue. Hop là. Ah y'a plus rien. Ah on a tout déglingué hein. C'est re-numberity, c'est bon, t'as la sono. T'as la sono. Merde, pourquoi c'est... pourquoi il reste le bleu là? C'est quoi le bleu? Cœur de mastodonte. C'est vrai qu'ils sont gros quand même. Avec mon cœur de mastodonte, je voulais récupérer des ressources. Vous voyez, c'est assez utile quand même de récupérer les armes sur les ennemis. C'est la première fois que je rencontrais ceux-là ou pas? Je sais plus. Et on va reprendre le petit canon là. Qui viennent? Au cas où on tomberait sur des malandrins. Mais eux par contre ils repop tout le temps. Ah, je n'ai malheureusement plus de munitions. Oh non, mais ils sont tous revenus! Ah, mais ils sont littéralement tous revenus, quoi. Un composant extrait, trop bien. Casse-toi! Casse-toi, pauvre con!
Oh le bâtard. Bah c'était son arme en plus au début. Avant c'était son arme à lui. Bah voilà. Ouf. Et bah merci Essila d'être passé. Et merci d'avoir posé des questions. Je trouve ça plutôt cool en fait de demander, voilà, quand tu comprends pas qu'est-ce qui se passe à l'écran, de demander les trucs. Donc n'hésite pas à revenir évidemment. Ce serait bien un jeu contre des machines qui serait méta, genre tu mets de la pâte thermique dans le socket pour les ralentir, tu leur balourdes un mix de poussière et de poils de chat pour les faire exploser. Alors, tu blagues, mais dans le jeu, tu peux les surcharger thermiquement. Il y en a certains qui sont sensibles en fait au chaud, et quand tu leur balances des flèches de feu, et ben ils bug. Et pendant un moment ils bug. Tu vois, il marche plus. En attendant de refroidir. Donc tu vois, tu dis ça, mais finalement, c'est possible. On va aller dans l'artisanat et on va créer des potions. Des petites popos là. Et normalement ça aurait dû faire un peu de vide dans mon inventaire. 113, ouais. Alors par contre je comprends pas pourquoi dans cette zone là tous les ennemis repop quoi. Eh oui, ils repopent tous. C'est assez ouf. Déjà, non mais sans déconner. Il y avait 3 munitions dedans quoi. Il est tombé. Genre à cause du recul. Putain, j'ai tout pour faire. Ah, remarque, je me fais du. Je me fais de l'X, putain. Je me fais de l'XP, c'est bien. Oh mais ils sont trop, non ils sont trop. Fuck. Nul. Merde, pas de mission. J'ai plus de mune. Allez, un peu de santé. Et ça a marché dessus? Non, il s'est pas marché dessus. C'est nul.
faut faire attention aux 1 de vital aussi. De temps en temps, les monstres, ils ont 1 de vital. La barre, elle est vide, mais... la barre est vide, mais derrière, ils sont encore vivants, quoi. Bon, je vais enfin pouvoir monter sur la plateforme. Et attendre machin. Je devrais pouvoir sauter sur ce grand coup d'ici. Ah oui, je me doute. Quoi la piste ? Oui, il y a une piste. Bon, ça me laisse de temps. Ça rappelle les lions qui boivent en même temps que les gazelles et les éléphants. Ça arrive. Alors je sais pas pourquoi, par contre tous les ennemis ont repop. Hein. Ça, j'ai aucune idée de pourquoi ça repop à chaque fois. Et normalement il y a un petit temps quoi entre les repop quoi, mais là le jeu s'est dit tiens, si je remettais tous les ennemis à chaque fois, ça serait quand même vachement plus rigolo. Ok, bon j'ai refait mes flèches déjà, je suis content. Ah mais donc il y a plein de trucs là, il y a... Ah bah j'irai après quoi. Le grand coup, là j'ai un feu de camp. Bon allez, on chope le grand coup et après on fera une petite pause. En plus il y a peut-être qu'il y a mon thé qui sera prêt en plus. Trop bien. Pour pouvoir boire du thé. Histoire d'avoir encore plus chaud. Là-bas, le truc là, on s'en fout un peu. Et tu déconnes pas, hein. Tu déconnes pas à l'œil. Faut sauter au bon moment. Hein. Hop là, bravo. Ok, il faut que je grimpe sur sa tête. Bravo à toi. Mais non mais non, voilà, voilà. Regarde après, hop, hop, voilà, tu contournes. Non, 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 regarde, hop, tu contournes. Voilà, c'est bien. Après là tu sautes. C'est parfait. C'est rigolo, c'est jamais les mêmes. Et bah les ennemis, ils ont repop encore. Les ennemis, ils ont full repop, quoi. Ça t'apporte quoi de les tipiaquer ? Ça me donne la zone. Hop ! Tac ! Du coup, ça m'a débloqué... ça m'a débloqué la carte, en fait, de la zone. Ce qui est quand même assez pratique. Donc maintenant, en fait, là, j'ai... Putain, par contre, le monde est énorme. J'ai tout, ça c'est le DLC. Ça c'est le DLC, donc on ira évidemment, mais. Mais voilà quoi. Vous avez compris, hein, évidemment, ce que je voulais dire. Pas du tout. Mais même moi j'ai pas compris, donc c'est pas grave. Je vous en voudrais pas. Mais voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va choper les feux de camp. En plus, les feux de camp, je peux les choper d'ici, je pense.
Ou alors je suis un peu loin quand même. On va voir ce qu'il me dit. Normalement il devrait être par là. Mais je le vois pas. Il y en avait un autre normalement. Ouais, c'est ça, au bout. Au bout de la vallée. C'est les tours d'Assassin's Creed 2, c'est les tours aussi dans Breath of the Wild. C'est les tours dans tous les jeux en fait. Hein. C'est des méchants ou c'est des gentils? Parce que je me refasse pas baiser à y aller comme un bourrin puis dire ah bah finalement c'est des méchants. Non ça va, c'est des mecs gentils. Ouais mais c'est AC qui a inventé ça, c'est une mécanique plutôt chiante. Mais là ça a l'air fun. Bah le fait que ouais tu vois faut trouver le bon point de vue pour arriver à sauter sur le long coup. Et derrière, après c'est jamais la même méthode pour grimper sur le long coup. Et il n'y en a pas des masses en plus, hein, il y en a 6 hein, je crois. Il doit y en avoir 6. Il y a 6 zones. Enfin, du coup 7 avec le DLC. Donc c'est vraiment pas chiant du tout. Quoi. Ça se fait super bien. Bon, ça c'est fait. J'ai enregistré, donc... pause. Allez hop. On va vous laisser YouTube et vous verrez bientôt, évidemment, la suite des aventures de Aloy dans Horizon. Des bisous.